nous avons ici deux ressorts qui sont plus ou moins en position d'équilibre. Je vais tirer les deux masses vers le bas et puis je les lâche. Nous constatons aux deux ressorts des mouvements de va-et-vient autour de la position d'équilibre. De tels mouvements s'appellent des oscillations. Remarquons déjà ici que pour ce ressort-là, j'ai dû appliquer une force plus grande pour tirer la masse vers le bas que pour ce ressort-là. Nous disons que ce ressort est plus raide que celui-là. Ici, nous avons deux pendules qui sont également plus ou moins en position d'équilibre. Je vais les sortir de leur position d'équilibre en tirant un peu et puis je lâche. Là aussi. Et nous constatons que la période d'oscillation est plus grande pour ce long pendule que pour ce pendule-là dont la longueur est plus petite. Une oscillation est donc un mouvement périodique de va-et-vient autour d'une position d'équilibre stable. Nous représentons le ressort comme ceci. Pour le moment, il est en position d'équilibre. Nous tirons la masse vers le bas et ensuite nous la lâchons. Voilà l'oscillation du ressort. Voici une représentation graphique du pendule circulaire. Pour le moment, il est en position d'équilibre. D'abord, nous tirons la masse, par exemple, jusque-là, et ensuite, nous la lâchons. Lors des tutoriels suivants, nous allons analyser ces deux mouvements oscillatoires, le ressort et le pendule circulaire.